slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They're telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour supprimer un compte TikTok définitivement. Donc vous ouvrez l'application, une fois que vous êtes identifié, vous allez tout simplement sur les trois barres en haut à droite, paramètres de confidentialité. Vous allez dans gérer le compte, supprimer le compte. Vous allez devoir dire pourquoi vous quittez. Donc moi j'ai du mal à me lancer. Vous cliquez sur continuer. Ici il nous propose de télécharger nos données. Nous on va pas le faire. Je clique sur en continuant. Tu reconnais avoir vérifié ta demande de données et souhaiter poursuivre la suppression de ton compte. On clique sur continuer. Ici, on a le petit message de suppression qui nous avertit que pendant 30 jours, le compte sera désactivé. Plus personne pourra le voir. Nous, on ne pourra plus le trouver dans la recherche TikTok. Si on veut le réactiver, il suffira de se connecter avec son adresse mail et son mot de passe de compte TikTok et ça annulera la suppression. En tout cas, si on ne se reconnecte pas pendant les 30 jours, eh bien, il sera automatiquement supprimé et définitivement. Donc, on clique sur « Continuer » juste ici. Ici, ça nous demande le mot de passe. Je clique sur « Supprimer le compte ». Et ici, veux-tu vraiment supprimer le compte Captain V tuto vidéo? On clique sur supprimer. Donc voilà, le compte est maintenant supprimé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!